comprends la cote. Allez. On reprend la saucisse. Je mets le timer. Donc, faudrait que mes troupes se restaurent assez vite, ce serait cool. Alors, restons un petit peu en retrait, on regarde comment ça se passe. Ça remonte vite, hein. Ça va. L'important, c'est le moral et la volonté. Ça ira bien, j'ai une amie qui a frôlé le pire. Et vu qu'elle a gardé le moral et sa bonne humeur, ça va aider à éviter le pire. C'est vrai que ça joue. Hein. Le moral, ça joue énormément sur le physique. Alors, les Shanyue ont enfin été détruits. Vous servez plus à rien. Donc là, on commence à avoir des troupes par ici. 48 000 hommes, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 48 000, lui? Ah ouais, d'accord, il veut protéger ici. Ouais, bah écoute. Je pense qu'on va plutôt s'installer par là, en fait. Oh, ça va chier. Il va y avoir une putain de bataille ici. Et comme prévu, ils ont enlevé leurs unités ici. Nickel. Nickel, nickel. T'as le jeu des alliances. C'est un truc que je faisais pas avant, ça. Mais c'est un truc que je vais clairement faire plus souvent. M'amuser avec les alliances comme ça. Tu peux te créer des opportunités que t'avais pas forcément à la base. Là, les 60 000 hommes ici, je pense que je vais les envoyer. Après, j'ai des petits coups de 17 000, 14 000, 12 000, c'est toujours ça de prix. J'ai le chat. Ouais, c'est pas cool ça, Dadakot. Six mois connerie sur connerie. Enfin, six mois que tu te bats pour avoir un diagnostic. Ouais. Eh bien, bon courage en tout cas. Donc là, on a 20 000, ça peut servir aussi. Là, il y a 17 000. Avec le grand Zhangfei en plus. 10 000. 14 000. 14 000. Et là, il y a 12 000. Apparemment, il fait très chaud au Japon. Je pense que c'est pour ça que Mickey s'est réveillé si tôt. Et à mon avis, il y a de grandes chances qu'elle se soit rendormie. Ouais. Mais je savais même pas qu'il y avait une fonction en fait où tu pouvais demander d'attaquer en plus. Parce que là il envoie 100 000 hommes le gars, ça va faire une bataille de porc. Et moi pendant ce temps, j'arrive.
Ah, on est en train de plaquer de ça, ça c'est bien ça. Pogo! Au revoir. Pogo! Au revoir. Putain, mais on a fait des gros plaquettes de pute en fait, c'est beau. -25 degrés au Japon. Mais à Tokyo. Pogo! À Tokyo même, il fait 25 ou autre. Ok, Zhangfei, tu peux y aller direct. La voie est relativement libre. Les autres, je vais les faire attendre un peu, qu'ils regagnent du moral. Attends, il reste 6 mois avant quoi là? Je suis passé un peu vite sur le message. Ok, c'est Dongzuo qui... l'alliance avec Dongzuo qui va s'arrêter. Je peux pas... Comment on fait pour redemander? Alors là, c'est bizarre. Peut-être que... Ah mais je suis déjà en train de faire une pétition. Je peux pas faire deux trucs à la fois. Ouais, c'est assez violent l'été au Japon. Mickey dit que c'est comme l'enfer. Pogo! Il fait chaud comme en enfer. Pogo! Et pour avoir expérimenté un début d'été, c'est effectivement un peu ça. T'as 63 000 hommes avec Chen Gong. La violence. Faut que je laisse un petit peu les unités regagner du moral. Zhang Jiao, tu vas pouvoir y aller. En plus, comme ça, je vais pouvoir contrôler la bataille. S'il y en a une. Il y en aura sûrement une. Ouais, ils le disent dans Steins Gate. Oh putain, ils ont déjà fini leur assaut? Sérieusement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retiré leurs troupes ou quoi? Du coup, il y a Dongzuo qui attaque Tianshui. Bon, au moins... Au moins, il y a Dongzuo qui prend le relais. Par contre, Mateng... Franchement... Pogo! Le mec, il a sorti ses troupes et au dernier moment, il a dit non. Ça y est, ça sort ses hommes par ici. Parfait. Nouvelle année. Salut, salut, bonjour. Bonjour les nouveaux. Oh putain, des Shanyue encore. Oh les casse-burnes. Eh, Lusu, il est resté là. Et lui aussi. Mais les branleurs, quoi. Bon, bah ça tombe bien dans un sens, vous allez attaquer... Vous allez attaquer les Shanyue.
Vas-y donc, Zuo. Reprends Tian Shui. Ça y est. La bataille commence. Jiaxu, 103 en intelligence. Ah, il a son portrait vieux, ça y est, Jiaxu. Pitfall, Falling Rock, Archer. Ouais, c'est pas mal. Ça devrait faire l'affaire. Alors, comment on s'y prend? Ok, les portes sont déjà bien défoncées. On a deux balistes ici. Une seule ici. On va diviser notre armée en deux déjà. Mais je pense qu'il faudrait plutôt attaquer par l'ouest, ce sera quand même moins chiant au final. Ouais, vous quatre là. Vous allez attaquer ici. Et le reste. Ici. Il y a tous les officiers qui ont leur portrait vieux et les femmes aussi. Pas tous. C'est surtout les officiers importants. Et je crois pas qu'il y ait de femmes dans le lot qui ont leur portrait vieux par contre. Enfin leur portrait vieille du coup. Et je sais que Cao Cao, il a ce portrait là, le portrait on va dire normal. Il a son portrait vieux effectivement, mais il a aussi un portrait jeune. Sauf que c'est un peu con parce qu'il n'y a pas d'époque où il est suffisamment jeune pour avoir ce portrait là. Donc c'est un peu du gâchis en fait. Il y a ce portrait mais du coup il sert pas. Je pense qu'ils auraient dû lui mettre son portrait jeune au moins jusqu'à la période d'Ongzuo quoi. En fait il a un portrait où il a pas de barbe quoi. Et oui, en plus de ça, il y a plein d'officiers importants qui ont un portrait quand ils obtiennent un grade genre roi, vice-roi, empereur. Ils ont des portraits spéciaux pour ça aussi, certains. Diochan vieille. Manque de budget, ouais. Après, ça aurait fait beaucoup de persos à faire. C'est déjà pas mal qu'ils aient rajouté ce truc-là, parce que les portraits vieux, on en avait quelques-uns dans les anciens romans, à partir du 11, je crois. Mais il y en avait quand même assez peu. Là, il y en a beaucoup plus, et plus les portraits spéciaux et tout, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Bah, je sais pas, Altesia, parce qu'en fait, avant les turbans jaunes, finalement, il n'y a rien. Donc, je pense pas. Je pense que c'est peut-être un mauvais calcul de leur part. À moins qu'ils aient voulu faire un scénario fictif avant, mais ça me paraît bizarre. Ou alors, ils avaient prévu un truc, genre un éditeur de map qu'ils n'ont pas fait au final. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé au final avec un portrait jeune. Sans qu'il puisse être utilisé. Après, on peut l'utiliser pour un perso créé, mais bon, c'est con, quoi. Il y a déjà un tuto, mais... Mais c'est pas ça. Alors... Là, je dois avoir des armes de siège, normalement. Putain, mais c'est pas possible, ça. Eh ben non, j'ai pas d'armes de siège. J'ai pas d'armes de siège, putain de merde. Bon, cela dit, les portes sont quasiment pétées. Il y a moyen que ça passe. Laisse-moi.
La classe de Cao Cao. Écran noir, Fav, c'est normal, t'es sur Twitch, et sur Twitch, c'est niqué en fait. Parce que je stream à une trop grosse qualité pour Twitch, et du coup, ils veulent pas de moi. Donc il faudrait que t'ailles sur YouTube si tu veux voir le stream. Les armes de ciel, c'est saut 180. J'aurais envie d'attaquer ces putains de portes, mais me retrouver pris entre deux balises, ça me fait chier. Ah, puis il y a ça aussi. Ouais, je sais ce qu'ils ont en plus. Non, c'est ce que j'ai moi, ça. Non, mais eux, ils ont sûrement un truc. De toute façon, ça va le faire. Je vais utiliser des trucs. Ça augmente mon moral. Ça baisse le moral de l'ennemi. Ça, on s'en fout. Ça fout le feu, mais je risque de prendre un petit peu aussi. Ça, c'est pas mal. Et ça. Miss in form. Ah! Je peux pas le toucher. Pas le toucher. Bon bah ce sera ça. Ça y est, on est en forme. Fallait que ça arrive. Allez, merde. Pétez-moi la gueule de Zhao Yun, dépêchez. Dépêchez-vous. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Changshan Zhao Zilong zaici. Il est complètement con, lui. Putain, c'est Feng Kao, c'est le personnage de Crony en plus. Bravo, Crony. Bon bah bouffe ça, hein, écoute. Tue-le. Tu es Crony, quoi. À l'attaque. Comment il se lâche pire. Il tente d'aller au camp principal comme un bourrin. J'arrive pas à passer comme il faut, c'est dommage. Putain, d'autres renforts, chier. Ah, en fait, donc Zhou il a attaqué Tian Shui de lui-même, mais il avait pas encore accepté d'attaquer Chang'an en fait. Du coup, faut que je reviens sur la bataille juste après, mais faut que j'envoie quelqu'un renégocier l'alliance avec donc Zhou. Et pendant ce temps... Moi je dis oui. Bon, on est largement bien. Hein. On est largement bien. Vers la fin... Je sais pas trop de Dakot, parce qu'il reste quand même pas mal de trucs à faire.
On va voir comment se passeront mes prochaines guerres, mais... Mec, il essaye, hein. Alors ça, il envoie ses 14 000 hommes tout seul là. Mais il a des éléphants. Je veux dire que l'année de mon perso de naissance, etc., était loin dans le temps de souvenir. Ah, je sais plus. Je sais plus du tout en quelle année ton perso est censé être né. Je vais le laisser venir. Je laisse encore un peu venir. Faut qu'il lance l'attaque. Voilà. Jaxu, normal. Je vais pas te branler les couilles, hein. Mais... Il y avait un officier en plus, là, non? Oh la branlée. On va faire le truc de l'UV plutôt, enfin, c'est pas grave. Il s'installe automatiquement. Pour faire une pincer autant que possible. Et la ville est à nous! Victoire! Pas tout de suite. Voyons voir qui j'ai capturé. J'ai l'impression qu'il n'y a personne d'intéressant. Et il va gagner, hein. Il va reprendre Tian Shui. Très très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Oh putain, mais c'est pas possible par contre les Shan Yue. Ça c'est des... De toute façon, attends. Je sais plus si ça fait partie des villes du deuxième district, mais de la deuxième région. Je peux créer une autre. Il faudra que je vois ça plus tard. Non, ça n'en fait pas partie. Bon. Ils sont 23 000. Bon, j'ai envoyé les hommes de Xiapi. C'est quand même incroyable ça. De se faire saucer par des Shan Yue comme ça.
Fumé. Il n'y a personne qui va défendre ici. Genre, je vais prendre cette ville comme ça. Là, ils sont plus que 1000. Là, ils sont plus que 166. Donc, c'est des trucs qu'ils ont mobilisés quelque part. Pogo! Hoba. Pogo! Lulinki encore. Ok. Alors, prendre Wudu ou prendre Chang'an? Wouah, Chang'an, ça va être compliqué. Attends. Jicedius vient de donner 1€ en super chat. Voilà qui devrait exciter sa super chatte. Merci Jicedius. Merci beaucoup. Je vais te donner tes 27 piécettes. Tu prends une ville sans résistance de ton ennemi et qu'en plus c'est pas un piège. Ouais, non mais... Alors cela dit, je vois que Zhu Yu, là, il débarque pour essayer de reprendre Hanzhong. Donc, on va pas lancer d'attaque tout de suite, on va regarder ce qui se passe. L'or est là. Eh oui. L'or. Alors attends. Zhu Yu. Non, ok, c'est qui? À la base, c'était des renforts. C'était des renforts de 50 000 dans le but de protéger Hanzhong. Mais maintenant que je l'ai pris, en fait, il a annulé le truc. Donc. La prise de Wudu me semble intéressante. Pas de décalage, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense que la dernière fois, c'est comme dit, c'est le moment où j'ai... À un moment donné, j'ai mon périphérique qui avait saucé et je pense que c'est là que le décalage a dû se créer. Ouais, faut que je tente. Faut que je tente ma chance sur Wudu, je pense. Parce que après. Je pense que donc Zhuo, c'est peut-être lui qui va m'aider avec Chang'an, éventuellement. Ouais. Parce que après, on pourra faire des choses avec donc Zhuo. On pourra faire des choses. Pogo! Pogo! Non, je pense que ça va aller. Parce que, comme dit Zhu Yu, il a été démobilisé. Donc c'était vraiment dans le but de défendre la ville et pas de la reprendre. Et eux, ils veulent aller défendre Tian Shui. Quoi? Mais donc Zhu était en train de gagner. Pourquoi il s'est démobilisé, ce con? Putain. N'importe quoi. Pogo! Le mec, il a laissé passer une opportunité en or, quoi. Bon. C'est le tour de Mateng. Je peux faire une espèce de roulement entre les deux, comme ça, c'est magnifique. Y'a quelqu'un qui est en train de se faire.
Oh merde, il a sorti 28 000 hommes. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Le mec, il est là, il se branle les couilles. Le pire, c'est que ça aurait fait peut-être suffisamment d'hommes pour que ça, ce soit à nous, mais... Voilà, bravo. Bon, je vais le mettre là pour l'instant et on verra après. Alors attends, j'ai vu le message. T'as, avec ces conneries de guerre, n'empêche, ça fait des années que j'ai pas vu mes gosses. Ça fait chier parce que j'aurais bien voulu que les plus petits, enfin désigner les trucs des plus petits, mais pour le moment c'est pas possible. Maintenant Xu Chang, c'est quand même limite. Ah c'est ouais, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. On a plus de fric. Parce qu'il y a trop d'officiers. Donc il faut que... Il va falloir que je déplace quand même certains officiers malgré tout. Non mais attends. En plus je fais le truc dans le mauvais ordre. Transfert. On va en envoyer ici, il y a besoin. Starting point. La capitale. Liu Du, Xu Niu, Yan Lu, Xiao Qiao, Duji. Ça ira peut-être mieux comme ça. Voilà. J'espère. Ouais, là, il y a du revenu, donc ça va remonter petit à petit. Bon. Putain, Chun Yokyong qui a tué Wudun. Alors je sais pas si Wudun c'est quelqu'un de plus prestigieux que Chun Yokyong, mais en tout cas se faire tuer par Chun Yokyong c'est quand même craignos. Déjà la porte de Yangping est à nous. Des bandits chez Jin, ça lui fera le cul. C'est bon, allez, en avant. Ouais, forcément. Forcément, forcément. C'est bon, vous, non? Allez, vous êtes pas obligé d'attendre mon ordre hein, pour vous disperser quand vous avez fini. Il y a Yan Liang qui nous arrive dessus là. Wouah, ils ont sorti Yuan Nao, attention. L'aigle d'argent, personnage créé, qui est le fils de Yuan Shu, surnommé l'aigle d'argent, qui est un très bon guerrier. Je serai le stratège. Je vais mettre en auto, qu'est-ce qu'on me propose? Falling Rock, Firm Protection, Prayer. Allez, si tu veux. Je regarde si j'ai des armes de siège avec quelqu'un. Non. Il faudrait attaquer à l'ouest. Touti 8538 vient de donner 2 euros en super chat. Voilà. Pour les fonds de ton armée. Merci Touti. Deux euros, donc 54 piécettes.
出发. Je vais prendre ça. C'est voilà Yan Liang. Ah, et encore le personnage de Crony. Il y a au moins l'un d'entre vous qui a pensé à ramener les catapultes. Apparemment pas. Zoudouane est mort. C'est pas grave. Ok, ils oseront pas avancer pour le moment peut-être. Je vais quand même aller prendre cette base là. Avec d'autres officiers. Ouais. Pas besoin d'être aussi nombreux quand même. Revenez là. Ouais. À deux, je pense que vous serez assez pour vous en occuper. Alors, Feng Kao qui défend la base. Reckless Strike. On va perdre un petit peu de troupes. Ça va alors nous remonter le moral, ça va nous faire plus d'attaques pour tous nos alliés. Allez, c'est un sacrifice acceptable. Ok. Par contre, il résiste un petit peu trop bien et vous pourriez vous mettre un petit peu mieux pour faire une pincer. Les dieux sont avec nous. Ok, alors là on a un petit point tactique à prendre ici. Et ensuite la porte. Eux ils se sont foutus là, très bien. Et ils arrivent à nous toucher d'ici. Hein. Genre je peux la niquer d'ici elle. Oh, je l'ai niqué. Je crois. Elle a perdu des hommes, non? Il me semble. Ok, ça tente là. Ça tente de passer par là. Très bien. Oh. Alors merde, c'est pas pour nous. Tianfeng, non, moi c'est pas Tianfeng que j'ai, c'est qui a beaucoup d'hommes qui est avec moi, je sais plus le nom. C'est quel officier déjà? Ah, ça doit être Chen Gong. Je peux toucher les deux. Ah, je sais pas comment elle les a perturbés, mais elle les a perturbés. Vague jaune. Ce machin là. C'est parce que j'ai activé une tactique de défense. Donc en fait, tous mes officiers qui sont dans cette zone, ils ont un bonus de défense là.
出发。 Ouais, toi tu vas te faire violer dans le coin. Voilà. On va prendre ça. Ah, il faut que je renoue mon alliance avec Shixie. Alors attendez, je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. J'ai toujours ça. Ah merde, j'ai personne de dispo. Bon bah tant pis. Wow, il y a tout ça qui arrive en renfort par contre, ça me fait chier. Et ils vont où eux? Ah ouais, d'accord. Ils y vont aussi. Mais bon. Bah c'est pareil, ça. C'est... Ils envoient tout le monde au même endroit. Si je veux, je vais pouvoir attaquer. Je vais pouvoir attaquer après. Merde. Zhangjiao. Contrôle. C'est parti. Tactique de tsunami. Ah oh bah il y a bien la sorcellerie pour les attaques par le feu après tout. J'ai la tablette qui est quasiment déchargée là. Hop. Voilà. On en est à combien de temps là? Il reste 18 minutes avant la fin du timer. Allez, détruisez-moi cette baliste. Voilà. Allez, vous êtes dans la merde. Versatile. Non, c'est bon. Je vais continuer de les perturber. Empêche Yan Liang qui attaque avec des éléphants, tranquille. Ouais, ça va, mais j'ai bien dormi cette nuit. J'ai rattrapé à peu près mon sommeil en retard. Alors, sachant que hier en plus, on a joué à Stellaris jusqu'à je sais plus quelle heure. Mais en plus, on avait enchaîné ça sur du tabletop. Enfin, on avait joué à tabletop avant, en fait. Direct, on a fini tabletop qu'on a enchaîné sur Stellaris. Donc ça fait quand même une sacrée session de jeu, en vrai. On va aller prendre le camp là-bas, là, puis prayer tactique. Ouais, ça influe tout le champ de bataille, je crois. Hein. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, vas-y, éloigne-toi du camp principal, c'est ça. Fais-moi plaisir. Ça fait que tous les renforts qui sont en train d'arriver, là, ils arriveront peut-être pas à temps, parce que je suis déjà sur leur camp. Donc même s'ils ont des renforts, je peux me démerder pour bien les défoncer quand même. Je pense qu'ils sont baisés. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Tiens, ok, moi, bah. Je peux pas te laisser faire ça. Vous démerdez, mais vous arrêtez ce type. Eux, ils sont morts. Je regarde s'il y a un truc. Ça, on va éviter pour l'instant. Mighty Bow. On the defensive. Mighty Bow. Non. Encore.
En fait, elle perturbe les officiers en levant sa jupe. Et c'est gagné! Les enfants n'ont pas eu le temps d'arriver. Parfait! Ah bah en plus, je suis premier. C'est bien ça. Ma femme est troisième, l'une de mes femmes. Alors, pour le moment, non. Ah putain, ils sont arrivés derrière. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas terminé! D'accord, et en plus, on est en dehors de la ville. Ça fait chier. En fait, comme ils ont pas eu le temps de rentrer, les officiers sont arrivés par derrière. Ouais, c'est pour ça, en fait. En gros, on a pris la ville. Et avant qu'on ait le temps d'entrer dans la ville, les mecs ils sont arrivés derrière. Donc là, en fait, on est... même s'ils gagnent la bataille, en fait, ils prennent pas la ville, là, techniquement. Mais du coup, on profite pas de l'avantage du siège. C'est dommage. Oh, mais pourquoi le vent, il va tout le temps dans le mauvais sens? C'est chier. Ah, ils sont beaucoup, hein. Là, je peux les niquer avec ça. Ils vont foncer, de toute façon. Ils vont clairement foncer. Donc nous, faut qu'on se place ici et qu'on profite de ça. Ah, ils y vont pas tous? Ah si, quand même. C'est dommage. Waouh, ils ont encore des renforts. Faut que je regarde si j'ai pas quelque chose derrière. Attends. Comme ils sont arrivés derrière. Alors attends. Mais. Je peux pas sélectionner tout ça là? Est-ce qu'il y a des unités qui sont. Qui sont pas impliquées dans la bataille? Ok, donc en fait tout ça c'est un mix de toutes mes unités, donc c'est un peu saucé. Ouais, ça fait du monde, hein, ça fait du beau monde. Et eux, ils s'arrêtent à Jiameng. Ah ok, d'accord. L'IA m'envoie des renforts. Ok. Bokai. J'aimerais que t'attaques ici. Puis ben, on va envoyer des unités depuis Hanzhong. Ah, ils sont que deux, hein, c'est un peu chaud quand même. Est-ce qu'ils sont pas tous arrivés encore? Cela dit, donc Zhuo... Ok, donc Zhuo, il attaque, ça va...
Merci pour ton abonnement, Lucky Vent. Ah, ça y est. Navré, j'ai Shadow qui a... J'ai Shadow qui a saucé. Shadow qui a saucé, qui a eu un petit bug, qui m'a sorti de... du PC de Shadow, donc au moins vous avez pas perdu le stream, mais du coup forcément vous m'avez pas entendu le temps que j'arrive à reparamétrer le truc. Et du coup il fallait que je remette mon micro en marche parce que ça a saucé le micro forcément. Alors ouais, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas on est monté à 30 000 à One, ça commence à être pas mal. Je vais voir comment il se démerde à Chang'an là, mais ce serait bien qu'il le prenne. Et puis ben nous... Ouais, techniquement on est quand même 149 000 hein. Avec tous les renforts derrière et tout. En vrai, il va en chier à nous niquer. Allez, on peut la faire cette défense. Et sinon, merci Lucky Van qui s'est abonné sur Twitch, visiblement. Faut que je les laisse venir, déjà, dans un premier temps. Voilà. Là, ils sont engagés. Je laisse s'engager bien. Allez-y, engagez-vous dans la bataille. Il s'arrête devant lui. On peut combattre, hein, c'est pas un problème. Ils vont tous se saucer. C'est bon, on a reformé notre alliance avec Dongzuo. Allez, c'est parti. Waouh, allez, bim! Ah, c'est un peu la saucisse quand même. Ils sont forts, ils sont forts. Faudrait que je les nique avec une attaque par le feu, mais le vent va pas dans le bon sens. Donc ça veut dire que si je lance une attaque par le feu, faut qu'on recule très vite derrière. Oh, un duel entre Liu Wang et Chun Yumeng. Je crois que c'est deux persos de viewer en plus, ça, mais... Lai, jue yi si xiong ba. Bon. On va regarder ça. Pour le moment, c'est bon pour nous. Je peux tenter le coup. Bientôt je peux là, je peux tenter le coup. Parce que là je peux mettre l'attaque par le feu relativement en arrière quand même. C'est genre je les brûle et je recule direct.
mais c'est chaud, hein. Littéralement. Alors faut que je leur donne d'abord l'ordre de bouger. Et ensuite, l'attaque par le feu. Comme ça, ça sera direct. On va prendre un petit peu, mais ils prendront beaucoup plus. Putain, l'effet qui a été amélioré du fait que je suis à côté de Zhang Fei. Ouais, j'ai deux officiers qui n'ont pas pu se dégager, mais... Trois officiers, Zhu Tai non plus. Alors, ils prennent quand même plus que moi, à mon avis. Ouais, puis en plus, moi j'ai encore des renforts, alors que eux... Pas tant que ça. J'y sais typé. T'as fait un truc sur Tipeee, j'y sais. Bizarre que j'ai pas de notif. Normalement, je suis censé recevoir une notif, je crois. Alors attends, ça mérite une petite vérif. Ah ouais, un follow, d'accord, ok. Très bien, très bien. Eh bien, merci en tout cas. Alors attends. Maintenant on est 32 000, ils sont 30 000. Est-ce qu'on peut faire le tour par là pour attaquer ça? Ouais mais non, ça va pas le faire. Il y aura le camp principal qui sera complètement exposé. Faut attendre que le feu s'éteigne. Rassemblez-vous. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Pour le moment, ils font pas grand-chose. En snare. Non. Versatile, ok, ça c'est pas mal. Daring like the wind. Unmoving, je crois que c'est pas mal aussi. Ouais. Missing form, ok. Quick attack. Ok, faudrait utiliser... Ouais, versatile. Tiens, chemin, j'ai bas. Ouais. Et d'ailleurs, Dadakot... Alors attends. Que j'ai vu un truc. En
En fait, c'est bel et bien 6,02€ qui ont été pris en considération, donc voilà. Donc ça fait que techniquement, je te dois. Sans 8 pieds 7 de plus.